Bonjour à tous. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler donc des fleurs... En folie. En folie. Donc, les fleurs comestibles, toujours de chez Marius Soda. Jean-François nous en avait parlé rapidement. On est au bien parlé. Oui. J'ai plus grand-chose à dire. On est au mois de mars, mais c'est comme disait Jean-François, ce sont des fleurs donc qu'on peut utiliser pratiquement maintenant toute l'année. Donc, avec toi, Alain, aujourd'hui, je voudrais qu'on aille un tout petit peu plus loin. Alors, Jean-François aurait pu nous en parler, mais alors, tout se dit bien, mais voilà, il devait repartir, il est reparti. Donc maintenant, j'en profite, je t'ai sous la main. On va parler un peu des conditionnements, on va parler un petit peu de la conservation, oui. Et ensuite un petit peu peut-être de l'utilisation, parce que tu nous as préparé un petit patchwork là, de choses qui sont à disposition. Je te laisse la parole. Bah alors, donc à la SAPAM, vous allez pouvoir avoir toutes les variétés de fleurs dans des petites barquettes individuelles. Alors, très importante pour avoir vraiment le maximum de fraîcheur, c'est donc de les précommander. Ce sont ces petites, barquettes qu'on voit là. Donc là, par exemple, tu as pris de la bourrache. Hein. Ouais. Il y a à peu près une trentaine de fleurs à l'intérieur. Ouais. Et en plus, il y a une petite feuille de bourrache en dessous. D'accord. Qu'on peut également utiliser. Mais je rappelle que la feuille de bourrache, il est impératif de la blanchir. Ne jamais l'utiliser comme ceci. Ah, d'accord. Voilà, ça enlève ce côté un peu velu de la bourrache et on récupère vraiment tout le côté iodé. Et l'avantage, c'est après de s'amuser à faire des petits nems avec un morceau de saumon, des trucs ouais. Comme ça. Voilà. Et là, on a de la sauge ananas et là, il y a une quinzaine de brins. Alors, donc, tu le rappelles, donc on peut le dire très franchement, je pense que autant sur le catalogue que sur les indications que tu vas donner, c'est aussi... Ici, c'est marqué noir sur blanc, quantité minimum à l'emballage, donc la 15 brins, tout à l'heure c'était une trentaine. Oui. Donc on a aussi un numéro de lot, donc on sait exactement pour la traçabilité au niveau de ces produits. Il n'y a pas de gaz, pas d'adjonction de gaz dans le sachet, ouais. D'accord. Et toutes les fleurs sont en culture raisonnée. Et donc prêt à l'utilisation, ah, en tant que telle, pas besoin de faire de travail spécifique. Commencer à la laver, quoi. D'accord. Donc, on a toutes ces variétés-là en fleurs individuelles. Là, on a un sachet devant nous, avec toujours ce système refermable, avec donc un mix de quatre fleurs. Quatre textures, quatre goûts. Tu peux l'ouvrir. Naturellement. Donc, on reprend le système. La petite languette. La petite languette, voilà. Tu tires dessus. On ouvre. Alors là, on a différentes variétés. On a du bégonia, de la tagette, de la pensée. Voilà. D'accord. Alors, tu viens de dire un mot très, très intéressant. Il y a une petite question aux auditeurs. Ah ben, voilà. Comment en profiter. S'appelle, et là, on va le dire tout de suite à nos auditeurs, si Jean-Michel peut nous reprendre, comment est-ce qu'on appelle la fleur qu'on appelle communément le safran du pauvre. Voilà. Celui qui saura gagnera un petit peu de fleurs. Comestible. Tout à fait. C'est la question du mois de mars. En réponse sur notre site internet. Hein. Et voilà. La page Facebook. Voilà. Alors, on se rappelle donc système refermable, formidable, donc ce qui fait que ça garde à la fois la fraîcheur, à la fois l'humidité, etc. Ouais. Juste une petite question, Alain. Les fleurs, ça c'est des choses qu'on n'a peut-être pas vues complètement avec Jean-François, lui parler de la production, etc., parce que c'est un as là-dedans. Toi, combien de jours on peut vraiment, on va dire, utiliser au mieux ces fleurs pour qu'elles gardent toute leur fraîcheur et tout ce qu'elles doivent amener quelque part dans les plats dans lesquels vous allez le réaliser. Alors, je pense que de toute façon, selon l'utilisation qu'on va en faire, si c'est vraiment pour les utiliser sur les assiettes comme ça, à l'état cru, ainsi de suite, je pense qu'au bout de 2-3 jours, la fleur commence un peu avec son humidité naturelle. Elle commence un peu à flancher, quoi. On a vraiment les pleines saveurs de toutes ces herbes pendant 3-4 jours. D'accord. Ces fleurs. Donc, c'est ce qu'expliquait aussi Jean-François très justement. Donc, on est vraiment dans un circuit très, très court. Tout à fait. Parce que, quelque part, les chefs, vous prenez contact avec Alain ou avec les trois autres commerciaux, bien sûr, dans les quatre centres SAPAM Grand Est. Et, en général, toi, tu repasses la commande le matin, avant 2h du matin, et le lendemain, tu es livré par rapport à tes commandes. Les commandes arrivent, je passe la commande chez Oda, eux ramassent jusqu'à 8h, conditionnent, puisque leur système est très proche. À 500 mètres, d'après ce que j'ai compris. La marchandise part de Nice, généralement, sur les 11h30. Elle est à 5h du matin à Strasbourg. À 7h, la marchandise peut être dans les cuisines. Formidable. Alors,
là maintenant, plein de petites fleurs. Ça, je me rappelle. Oui, Jean-François nous avait expliqué un petit mélange, son petit mélange voilà. Carnaval. Voilà, un petit mélange, par exemple, pour les poissons, avec beaucoup de bourrache. Voilà, magnifique, cette, ça. Hein, cette belle petite couleur, fleur, ouais. Très iodée. Voilà. Ouais. Et puis là, une couleur un peu plus salade, viande, parsemée sur les assiettes. Quoi. Alors, petite question maintenant. Une utilisation comme ça de fleurs, avec notamment les petites pétales, etc. Jean-François, comme toi, tu dis, on peut manger ça en salade. Tout à fait. Complètement. Par contre, comment est-ce que tu assaisonnerais ce type de produit pour ne pas justement le casser ? Parce que ce qui est joli là-dedans, c'est qu'il y a le côté un petit peu aéré, etc. Ouais. Si on met, on va dire, une préparation un peu trop épaisse au niveau des assaisonnements, ça risque de l'abîmer. Donc, tu le proposerais comment pour le manger au mieux ? Alors, pour que ce soit... Souvent, pour plaisanter, en fin de compte, c'est la vérité. Je propose souvent de faire une salade sans sel, sans poivre, sans huile et sans vinaigre. Donc juste le manger ? Fleurs plus les petites pousses de salade, qui sera le sujet d'une autre émission. Ouais. Mais je vous expliquerai à ce moment-là que c'est vraiment un mariage important. En sachant que dans certaines variétés de salade, on va retrouver de l'acidité, de la puissance. Bon, pour aller chercher la roquette, par exemple. Ouais. Et en assemblant des feuilles de salade de fleurs, qui ont un peu d'acidité, un peu de goût agrume, le côté miel, le côté forêt, et ainsi de suite, on va avoir vraiment toute la puissance sur un support de salade de base. Donc, pratiquement pas besoin de... Parce que c'est vrai que très souvent, on a tendance à manger dans plein de restaurants des assaisonnements qui cassent quelque part le produit. Voilà. Et quand je vois tout le mal que se donne une maison comme Marius Oda pour fournir ce type de produit, ça serait dommage de les abîmer. Oui, avec, hein, en plus, le sel va tout de suite attaquer, l'huile va l'enrober. Voilà. Je veux dire, la fleur, il faut vraiment l'utiliser en accompagnement d'une autre variété de salade qui va être le beau support pour les mettre en valeur. D'accord. Alors maintenant, si tu veux bien, on va glisser ça un petit peu sur le côté, Alain. Tout à fait. Et on va faire apparaître des feuilles. On va voir un petit peu comment on va pouvoir les utiliser, ces petites feuilles. Ouais. Donc, tu vas nous dire un petit peu ce que c'est que ces feuilles, Alors, Alain. On a donc une feuille de capucine. Oui. Voilà, une belle feuille de capucine. Alors, assez puissante. Hein. Alors ça, comment tu l'utilises ? Qu'est-ce que tu en fais ? Alors, ça... En salade en... Est-ce que ça se blanchit ? Alors, Est-ce que c'est très acide, c'est très puissant. Alors, l'émincer en julienne un peu. En chiffonnade, alors. En chiffonnade et l'incorporer avec une petite salade ou alors en pousse d'épinards. Des salades qui ont assez de rondeur pour avoir un équilibre. D'accord. Et voilà, ou alors mélanger avec un petit peu de tartare de dorade. D'accord. Donc, pour ramener un petit peu ce côté voilà, un peu de puissance. Quoi, un peu de caractère. À côté de ça, donc là, on a des feuilles un peu. Alors, Pierre-Paul, ça te fait penser à quoi ? Feuille d'oranger, feuille de... C'est un peu... Tiens. Je peux goûter ? Mais naturellement. Ah la vache ! Hein ? Ça, c'est bon, ça. Très acide. Ouais. Alors, emporte-pièce ? Ouais. On va bien se mettre au milieu, là. D'accord. Mm-hmm. Tu prends un petit emporte-pièce. Voilà, ça se coupe très bien. Oh, c'est beau, ça. Voilà. Ah ouais. D'accord. Attends. Et donc voilà. Ça, en décoration... Voilà, sur une assiette. Ouais, ouais. Posé. Pareil, tartare de thon, c'est puissant. Ah, c'est puissant, on a l'acidité. Mais ça reste pas. Non. Sur le coup, et après, ça réveille. Ça redevient doux. Ça te prépare le palais, ouais, pour déguster quelque chose. Alors, c'est vrai, on parle de poisson, on parle d'un tartare ou d'un effiloché. Ben voilà, ça va apporter de la fraîcheur. Donc, ça, ce que tu nous as fait goûter là, c'est de la feuille de bégonia. Bégonia. Tout D'accord. simplement, feuille de bégonia. Ok. D'accord. Alors, maintenant, Alain, ici. On a une autre variété, un peu particulière, là. Ouais. Alors ça, c'est, on dirait presque comme une ortie, comme un côté un peu velouté. Ouais. Et Jean-François nous disait que c'était quelque chose qui était important, parce qu'un blanchiment à l'eau bouillante, bien salée, et ça enlève ce côté Alors c'est de la un feuille, peu spongieux, c'est la ça la feuille de bourrache. Ouais. Donc impératif de la passer à l'eau bouillante, hein, pour la blanchir. Ouais. Et ensuite, ce que je suggère souvent, c'est de l'utiliser comme un nem. Tu vois, D'accord. un morceau, par exemple, de saumon. Une fois qu'elle est blanchie, elle se travaille facilement. On la pose sur une planche, on met le morceau de saumon, on roule, on met un tic et on en fait un petit nem. Mais blanchie. Mais obligation de la blanchir, ce que tu disais tout à l'heure. De toute façon, pour la travailler correctement avec la côte... Il faut enlever la petite. Voilà, il faut tailler un peu la côte, la blanchir, la rafraîchir, la laisser
y goûter. Et à ce moment-là, on l'utilise comme un nème, comme une feuille d'épinard. Et alors, on va récupérer tout ce côté iodé. Mmh. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est de l'utiliser avec, par exemple, un morceau de viande pour avoir le tranchant terre-mer. Ah oui, d'accord, tout à fait. Hein, ouais. C'est un peu le même principe. On incorpore un côté iodé salé marin avec un morceau de viande. Alors, ce qui est assez incroyable, on va peut-être finir un petit peu là-dessus, parce que de toute façon, comme on le dit tout le temps, c'est sans fin. Vous pouvez, bien sûr, prendre contact avec les commerciaux de chez Sapam. Ils sauront toujours vous conseiller formidablement bien. Moi, je voudrais simplement dire une petite chose, Alain. Aujourd'hui, on voit arriver ces fleurs, etc., etc., de plus en plus sur les tables des chefs, des grands chefs, etc. Après, il y en a parfois qui les utilisent peut-être pas toujours dans les meilleures conditions parce que on voit faire les grands chefs, alors on veut, et puis on etc. On veut juste poser une fleur sur la salade pour que ça fasse beau. Mais voilà. Il faut être cuisiné. Il faut les cuisiner. Il faut les utiliser en tant que tels. Il faut les travailler. Comme condiment, comme ajout, comme quelque chose de supplémentaire. Exhausteur de goût, et ainsi de suite. Voilà. Et ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il y a 20 ou 25 ans en arrière, puisque nous, on a quand même un petit peu d'âge. On savait même pas qu'on allait pouvoir un jour utiliser des fleurs dans la cuisine. Voilà, tout à fait. Donc voilà, aujourd'hui, c'est rentré, on va dire, dans l'alimentation. Et par rapport à ça, je trouve ça fantastique. Et je voudrais maintenant rajouter quelque chose, Pierre-Paul. On va aussi de plus en plus maintenant, selon la demande de nos chefs, vers des fleurs d'herbe. Ouais. Là, par exemple, je reprends l'exemple de la fleur de ciboulette, c'est magnifique. Hein. Alors, à utiliser aussi avec parcimonie, puisque ça. Donc, tu les effeuilles, ça, voilà, c'est ça. On les ouvre simplement. Mais est-ce qu'on peut utiliser la tige, du coup? Mais naturellement. Mais oui, c'est ça. On la cisèle finement. Alors, ça, par contre, cette tige-là, qui est un peu plus dure, je la conseille plutôt à l'utiliser un peu en suant, à la faire suer. Oui, parce que c'est peut-être un peu trop fort. Par exemple, tu veux nourrir un morceau de viande avec ça, c'est magnifique. Quoi. À la fin, au moment du service, on effeuille un peu et on parsème un peu les petites particules qui vont te faire un rappel entre l'ail et l'oignon, par exemple. Ouais. Oui, parce que c'est un petit goût, un petit donc, comme ça. Donc, on est de plus en plus sollicité pour avoir des feuilles, des fleurs de ciboulette, des fleurs de cerfeuil, des fleurs d'aneth, des fleurs de coriandre, pour que ce soit cohérent avec l'herbe. D'accord. Tu comprends? Donc voilà, ça c'est des choses qu'on nous demande de plus en plus et qu'on est en train de voir avec Jean-François et la Maison Oda pour avoir ce genre de produit-là. Donc Alain, là on a parlé cuisine. Oui. En pâtisserie, je suis persuadé qu'on peut l'utiliser énormément, tant au niveau des feuilles qu'au niveau des fleurs, etc. etc. Et maintenant, tu nous as amené deux petites flûtes, je me rappelle, et tu t'es amusé à mettre des petites choses au fond. Alors moi, ça fait maintenant quelques temps qu'on travaille ensemble. J'espère que les émissions qu'on est en train de présenter, si Jean-Michel peut venir sur nous, ça serait sympa. Il s'est endormi? Non, pas du tout. Donc là, on est vraiment très, très contents aujourd'hui. Ça fait plusieurs émissions maintenant qu'on fait ensemble. Et on va en profiter. Et on va voir qu'on peut l'utiliser aussi différemment. C'est-à-dire que dans la partie apéritif, dans la partie bar, etc., je pense que les fleurs aussi pourront et peuvent avoir leur place. Alors, pour les auditeurs, on va boire un petit coup, mais avec modération. Et on va finir notre émission en trinquant tous les deux. La petite fleur doit rester au fond. Elle remonte tout doucement, mais c'est mignon comme tout. Mmh. Voilà. Et donc, on peut... Crémant, champagne, vin de Bourgogne, vin blanc sec. Enfin, voilà. Eh bien, c'est ce qu'on va se faire. Voilà. Chin, à nos auditeurs. Et à très bientôt. À très bientôt. N'hésitez pas à retrouver Sapam sur son site, mais également sur la page Facebook. Ils sont à votre disposition. Et n'oubliez pas, tout ça, c'est sur chefenligne.com. Santé.